Et salut à tous, c'est Pipou. On se retrouve sur la chaîne pour la suite du Let's Play de Black Myth Wukong. Donc, toujours au cours du chapitre numéro 4. On a enfin sorti là, de la série de grottes et compagnie, tout ça. Alors. Calme-toi, toi! Allez, ça dégage. Ah, un nouvel endroit pour méditer, c'est bien ça. Ouais, joli le cadre. Donc là on est bon, là on est bon. Là du coup c'est là où il y avait l'hôtel. C'est quoi ça? Pourquoi il y a les grues là? Ah, c'est quoi ça? J'aime bien sa pose. C'est quoi ça? Ah, y a rien là-bas alors, du coup? Non, y a rien. Hein. Faut que j'aille par là. Y a plus personne, c'est bon? Oui, j'entends encore du bruit. Ils sont bien nombreux. Oulala, 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 oh! Allez, bouge ton pion! Arrête de rester tanké là, 2 heures! Allez, plus chaud! Commandant Scarabée. Ah,
Allez, moi il me laisse le temps de faire ça. Allez, prends le ruine, on y va. Allez, on esquive, on tape tout ce qu'on peut. Allez, ça vire. Bah avec les spectres pour m'aider, c'est sûr que ça aide. Hein. Bah le problème c'est le début quoi, c'est qu'ils sont 800 quoi. Bah après ça va. Ah, je sais pas, au début il a mis 2 heures. Tablette des 3 suprêmes. Tablette des 3 suprêmes. Ouais, je vais regarder ce que c'est le bibelot là. Il y a encore des ennemis là-bas. On va ouvrir celui-là et après je vais regarder ce que c'est le bibelot. Ok. Alors, bibelot. Augmente considérablement les chances de coup critique lorsque le niveau de santé est critique. Ouais. Je suis pas fan des objets comme ça, genre un peu. Lorsque tu es sur le point de mourir, tu vois. J'ai pas l'impression que ça change grand chose à la donne, mais bon. Allez, amène ton collègue. Faut toujours qu'il y ait un mec. Ah ! Faut toujours qu'il y ait des mecs qui protègent les hôtels, t'as vu ? Où y en a eu après le tarif là ? Oh ! Je veux pas être mis à ta place, mon ami. L'entrée du temple. Bon, je pense qu'on va bientôt tomber sur un boss, non? Ou pas sûr. Un peu de hauteur. Allez, on y croit. Un truc derrière ou pas? Non. Ah là là. C'est étrangement calme pour un village aussi grand, tu vois. Pour un temple aussi grand. Ça, c'est bizarre. Ouais, je vois 2-3 ennemis un peu à droite à gauche, mais bon. Ah, pas fou, quoi.
Ok, donc là c'est remis. Bien nombreux là. Ah, parce qu'ils sont deux là en plus. Ah, t'es lieu pour méditer là. Tiens, les enchaîne les lieux pour méditer. Hein. Et là, tu es en train de dormir, tranquille. Le pauvre, faisait une sieste, je l'ai ruiné, con. Là, j'ai l'impression que ça leur plaît pas des masses. Voilà, au moins je perds pas de potions, j'ai éliminé tout le monde. Voilà, au moins on est tranquille. Et là, je peux aller taper l'esprit avec toutes les immobilisations, tout ça. Voilà. Je l'ai éclaté. Pourtant, ils sont solides, les tigres, comme ça, là. Ah, c'est le collègue. Quand 情啊爱啊，不过是白云苍狗，终归都会结满蛛网，重归虚无。侯兄弟，破镜南重圆，你有空劝劝那位朱长老，可别陷得太深。本是女中仙，思凡堕九。
天，作茧复洞中，人间又一年。都跑一了，别了。女作茧。Ok, on récupère un verre spiritueux, pas mal. Pas comme pour une plus. Bon. Bon, j'ai bien fait d'aller par là en priorité. Il y a quoi là derrière? Oh, il y a rien. Je sais pas, j'entends des bruits, des roquements, des je sais pas quoi là. Ah, c'est mal, toi. À moi. À moi. Voilà, tu m'as raté, chacun son tour. Moi, je t'ai pas raté, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Là-bas, il y a un hôtel, on le voit. Donc, je pense que la suite de l'aventure, ça sera par là-bas. Les attaques sautées ou les attaques chargées, ça leur fait pas des masses. Non, hein? C'est dommage. Bah, 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 on va où là? Et ben, on s'éloigne bien là, non? Petit sentier dans la colline. Là-bas, il y a une grotte. Mais qu'est-ce que c'est cette zone? C'est la bonne zone? C'est quoi? Je comprends pas. Crépuscule des neuf cieux, pas mal, boisson. À voir si je changerai avec celle que j'ai actuellement. Je veux bien, mais ça a l'air... Ça a l'air... Ouais, c'est bizarre comme zone. Il n'y a pas un ennemi, il n'y a que dalle. Tu récupères une boisson comme ça, genre à l'aise blaise. Ouais, ok, bon, c'est... Ah, c'est un boss, hein. La femme champignon. Tiens, moi, je sens ça, la bouche déjà. Ouais.
Ah bah ouais, c'est pas drôle, sinon il fallait bien que je me fasse toucher à la fin et empoisonner. Ouais, franchement, celui-là, ça va. Rien de transcendant. Ouais, et tous les autres, c'est des champignons normaux. Il n'y a que celui-là qui... Il y avait un petit boss, quoi. Ah, je peux pas passer sous l'arbre. Bon, là, on est bon. Donc là, on est pas mal. Attends, c'est où que j'ai vu le passage dérobé qui m'a amené dans une sorte de grotte, je sais pas quoi, là. Ça, là, non? Un combat de boss, non? Y a pas de combat de boss là? Le jardin secret de Bouddha. Oh, pilule de récupération d'âme. Remède inestimable. Pas mal. Ah oui, t'es en fait. C'est quoi la gourde que j'ai reçue? Non, c'était pas une gourde, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Une boisson, ouais, c'est ça. Chaque gorgée permet de récupérer 35% de santé, confère une quantité considérable de ki. Ah, je vais me faire attaquer là, non? C'est sûr et certain. Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas dans une zone aussi grande? Et il n'y a pas un combat? Peut-être plus tard, il y aura peut-être un boss secondaire plus tard pour X ou Y raison, mais il faut que je débloque les conditions. Bah, je sais pas, c'est bizarre quand même. Bah, tu allais dans un truc, tu récupères ok une boisson, un truc comme ça, mais au moins, mais un combat quoi. Essayer de rentabiliser la zone. Mal qui bouge pas, lui. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, se réveiller enfin. Et il te tente. Eh ben, j'ai affronté des tigres bien plus difficiles que toi. Hein. J'ai affronté des tigres bien plus difficiles que toi.
Notamment le tigre de l'avant-garde dans le chapitre 2. Ah là là. Eh, il était chaud lui. Hein. Alors, j'ai soit par là-bas, soit en face. Quoi? C'est qui gueule là? Oh, ça faisait longtemps ça, c'était que je n'avais pas trouvé. C'est le quatrième. Ah ouais, d'accord, ok. J'aimais bien le début, mais la fin, par contre, elle est très angoissante. Ah, tu m'étonnes qu'il peut pas parler. L'inspecteur suprême. C'est ça. Wouah! Bah 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 bah. Plus d'attaques chargées depuis les airs et tout. Attends. Oh mais ça va! J'ai l'impression d'affronter les... Et j'ai l'impression d'affronter les... Comment ça s'appelle? Les Valkyries dans God of War. C'est les mecs de la cité des immortels, ça non? Ouais, je suis un peu plus de temps. 你若下辈子还要闹腾, 记得来天上去。 Ouais, ils proviennent de la cité des immortels, ouais. L'endurance. T'es chaud le combat quand même hein. Ouf. Il vole pas lui hein. L'inquisiteur secret là. Bah sur moi ta zone de merde là. Ta zone de poison pourri là. Voilà. Ouais, je suis sûr qu'on va leur affronter. Ah, c'est qui ça continue à monter là? Sûr qu'on va leur affronter, lui, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, ça m'étonne qu'on s'en arrête là. Hein. Oh, petit coffre caché. Pilule salvatrice. J'ai récupéré une boisson aussi, non? Je peux pas attention, mais... Ouais, je crois, ouais. Ou un remède, ou un truc comme ça, ouais. Donc déjà, c'était pas par là. Alors la suite c'est par là. Qui c'est là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Shishio. Shishio.
我既将你射了局，又与你法宝相助，咱就掰了。真接了他，我下不去手。后来天命人赶到，我打斗不过，洞里已被那猴子叫到翻天覆地。区区一只猴子也忒无礼。 你救伤未好，又被他打作心伤。放心，我替你打点。师妹，我的那样东西，可还在你身上？还在。师妹啊，你虽样样不济。 Maître Daoïste sans Dieu. Ah, il y a les araignées qui m'aident. Pourquoi? Pas le jet. Oula, 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 oula. Et des fois je peux pas le toucher, c'est chiant. Ah, voilà. Ah putain de merde, y'a plus d'araignée avec moi. Thank you.
Allez! Oh là là! Qu'est-ce que c'est ça? Oulala, oulala. Et j'ai plus d'endu, j'ai plus d'endu. Et où? Et où? Deux, trois. Merde. Oh! Oh, ça va, on a compris. Oh, laisse-moi me relever là. Ah ça va, je vais clamser. Ah abusé son attaque, ça va quoi. Thank you.
Merde, allez. Allez. Putain, ça y est, je suis arrivé. Oh, quelle horreur, cet ennemi. Non, non, elle meurt. Dégage. C'est maintenant qu'elles arrivent, elles. Pas qu'est-ce qu'elles foutaient pendant le combat. Lui, pareil, il arrive après la guerre. Ah. Petit cinématique. Yeah.
的蜃楼，思念是眉间的忧，月年年望相思，寻常醉长久，汹涌如江流，忐忑似轻舟，有你相伴这一路，多么多么自由。云卷云舒风行，一舟从离春到离秋，在那一刻我爱上所有。C'est quoi, c'est une des perdues, ils ont retrouvé ou comment ça marche? 是心田的狗，记得是老头的酒，只只想用无言，愿天黑花到你总会说不够。C'est triste et joli à la fois. Promesse, pommette rosée, cheveux gris terminés.本事虽有长进，却还是个笨货。这番不但伤了悟能与他的小情人，还毁了人家的大阵，罪过，罪过。凡人也好，神仙也罢，都想着戒断过往，重启炉灶。可命运啊，就像爱人的舌头，嘴里一套，心里一套。哪怕亲口尝到，也不知到底是想要还是不想要。Langue anguleuse, j'aime pas le nom. Ah, un niveau et demi. Alors, l'œil a les quatre dorés, un œil du bois et aux cent yeux enveloppé d'une lueur dorée sert à la fabrication d'armes. Du fil d'or fin, ruban céleste, pas mal. Grâce au toucher délicat de la navette céleste, ce ruban est aussi léger qu'un nuage et aussi radieux qu'un arc-en-ciel. Sert à la fabrication d'armures. Le cœur d'arbre d'or, fabrication d'armes, acier de cune,
Un morceau d'acier forgé à partir de l'essence impérissable d'une colonne vertébrale que même les marées impitoyables du temps ne sauraient altérer sert à la fabrication d'armes. Le noyau mental est la corne perce-ciel. Cette corne singulière de scarabée qui creuse la terre et perce le ciel confère à son espèce la capacité de prospérer en tout lieu sert à la fabrication d'armes. Bon, ben, fin du chapitre 4. Chapitre 5. Enfant prodige au rouge sang. Le bois des braises. Ah, c'est bien, on va avoir de morts vivants maintenant. Yeah. Oh. Ils peuvent enflammer leurs bâtons, les bâtards. Il reste encore des mecs, hein. Oh. Oh, putain. Faut pas la voir, moi, ça, la transformation rouge, là. Ça a l'air bien, ça. Mecs sont là, ils volent tous et tout, et moi... Moi, toujours au sol, moi. Toujours à pied, moi. Le retardataire. Ah, ouais, l'éternel retardataire. C'est bon. Ah. Enfin. Je sens que je n'ai pas aimé la zone. Hein. C'est pas très beau. Le col cendreux 1. Ouais, je suis pas fan de la zone. Hein. Alors, créer une arme. Qu'est-ce qu'on peut créer de beau?
Donc là, actuellement, j'ai ça. Le bâton mille pattes de vision. Nanana, ok, améliore fortement la récupération. Chaque point dépensé largement récupère la santé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bâton à spule, mais ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas non plus. Ça non plus. Le problème, c'est qu'il y a des armes qui ne s'améliorent pas, donc c'est un peu compliqué, quoi. J'ai ça, mais je peux pas le faire. L'acier de Kuhn. J'en ai qu'un. Encore, il manque des objets que j'ai pas. Ok. Bon, celle-là est jolie, ça là. Waouh, elle est belle. J'aurais que la tête que j'aurais pas réussi à créer. Ouais. Faudrait que je retourne un peu à l'occasion au village des Penjil. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais retourner moi de mon côté un peu au village des Penjil, donc le parchemin de Ruyi, le village du Zodiaque, donc je pars là. Faire un peu le point au niveau des trucs en essayant de stuffer un peu deux, trois trucs un peu par-ci par-là. Et on se retrouvera du coup avec la suite et la découverte, notamment le début même du chapitre 5. Avec enfant rouge, sang rouge, je sais pas quoi là. Voilà, ben j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode. Je vous dis à la prochaine et sur ce, ciao ciao!